on arrive au niveau 26. Là encore, on a nos systèmes de cibles avec des croix et avec des losanges. Donc on a 4 cibles avec les losanges, donc 3 jaunes et une magenta. Donc il va nous falloir du rouge pour tout ça. Et on a 4 cibles avec des croix, une rouge, une magenta, une cyan et une verte. Donc le bleu, on en a besoin ici, donc c'est bon. Et on en a besoin là aussi. Et comme là c'est des croix et là c'est un losange, on va pouvoir utiliser le système de switch, parce qu'on n'en a pas besoin en même temps. Donc le switch, en fait, je vous rappelle, c'est quand on appuie sur la souris, la molette de la souris, ça nous fait changer le rayon de côté. On n'a pas besoin des croix et des losanges en même temps, parce qu'en fait c'est des portes qui avancent, qui nous font avancer, et donc on n'en a pas besoin en même temps. Ensuite, on va s'occuper du vert, donc on en a besoin ici, qu'on va laisser passer, on en a besoin là-bas aussi, et par là. Donc là, je mettrai bien un switch aussi, parce que là, c'est que des croix, et là, que des losanges. Donc là, on a les croix, et là aussi, donc c'est bon pour le switch. Après, il nous faut du rouge. Du rouge, on en a besoin là, ici, là-bas. Alors, on va commencer par mettre un double ici. Comme ça, on éclaire celui-là, on éclaire celui-là. Et après, il nous en faut encore là-bas, ici. Donc, il nous reste encore un double. On peut le mettre là. Et là, ça devrait être bon. Donc là, toutes les croix sont allumées. Et si j'appuie, ça allume tous les losanges. Donc c'est bon pour le puzzle 26. On arrive au 27. 27. On a 3 cibles losanges et 3 cibles croix. Alors nos cibles croix, elles sont là. Cyan et blanc. Et nos cibles losanges, il y a une bleue, une cyan et une blanche. On a 3 lasers, un bleu, un vert, un rouge. Donc je vais déjà m'occuper du bleu. À mon avis, faut qu'il aille par là, le bleu. Là, je mettrai bien un double, puisque je vais en avoir besoin beaucoup de bleu. Ensuite, je vais avoir besoin de vert. Si je prends un truc comme ça, là, je vais avoir du sur la croix verte et sur le losange. Il faudra que je me débrouille pour avoir du bleu. Si je fais ça, j'ai du bleu sur le losange. Donc je peux peut-être amener du vert ici. Et donc là, un truc, peut-être mettre ça. Est-ce que ça va mieux? Alors quand je clique là, j'ai le losange bleu et lui cyan. Quand j'appuie, j'ai celui-là et celui-là en même temps, donc ça c'est bon. Il me reste les blancs à faire, donc avec le rouge et le cyan qui se trouve ici. Donc ça, je peux mettre ça ici et l'envoyer là-bas. Donc là, le blanc il est bon. Et celui-là, il lui faut aussi une couleur rouge, donc on va prendre le rouge ici et l'envoyer là. Et là, c'est bon.
Donc là, j'ai les trois losanges. Quand j'appuie, j'ai les trois croix. On peut sortir. Si je trouve la sortie, bien sûr. C'est là. Donc là, c'est fermé. Il faut que j'appuie. Et c'est bon. Niveau 28. On a 4 cibles losanges. 1, 2, 3 et 4. Et 4 cibles croix. 1, 2, 3 et 4. Donc on voit qu'on a un laser violet ou magenta, je sais pas comment on appelle ça. En bas, il n'y a que du magenta. En haut, on a aussi du bleu et du rouge. Toute cette ligne-là, c'est de la croix. Toute cette ligne-là, c'est du losange. Donc on voit que le rayon, on va pouvoir le séparer en deux. Pourquoi il y a un cube, hein ? On va pouvoir le séparer en deux à partir d'ici. Justement, avec ce cube. Pour faire droite ou gauche. Ensuite, là, on va mettre un cube pour monter. Pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai soit droite, soit gauche. Après, pour nous faire le bleu et le rouge, on en a deux, des choses pour changer la couleur. Donc on peut en mettre un là. Et puis un de l'autre côté. Comme ça, on a tout un du bleu et du rouge. Quand on change. Il nous reste maintenant à alimenter de ce côté-là. Donc, à partir d'ici, on peut mettre un rayon qui sépare en deux. Et maintenant, ici, on en met un qui redirige tout droit. Comme ça, c'est tout le temps alimenté. Et voilà, c'est terminé. On a les quatre croix. Et les quatre losanges. Par ici, la sortie. Niveau 29, on a 6 cibles losanges et 5 croix. Là on a du rouge. Là on a 3 cibles losanges rouges. Et 2 magenta et une bleue croix. Quand on continue, on a notre laser bleu. Là on a une cible losange bleu, une cible croix magenta, et pour finir, deux cibles losange bleu et une magenta croix. Donc si on a bien regardé, on n'a pas besoin d'avoir le rouge de chaque côté en même temps, donc on va mettre ça au départ. Ça c'est pour continuer le rayon par là. Pareil de l'autre côté. On appuie, le rayon il arrive par là. Donc là on en a besoin pour tout ce qui est rouge. Le seul emplacement c'est ici de toute façon. Là on a du rouge ici. Si je mets un truc ici, je vais en récupérer pour là. Par contre, quand j'aurai besoin pour la croix, il m'en faudra aussi, donc je vais mettre un switch. Comme ça, quand je switch la croix, il y aura du rouge dedans. Alors, maintenant, il va nous falloir ramener du bleu. Le bleu, on va le ramener. Comment on va faire? Par là. Par là. J'en ai besoin ou du bleu. Là aussi. Je vais peut-être mettre un switch, on va voir. Là et là. Ensuite, ici, je peux mettre quoi, ça?
Donc là, quand c'est la croix, les violets c'est bon et le bleu c'est bon. Et si j'appuie, ah, il faudrait quelque chose pour aller tout droit là. Pour le losange bleu. Ok. Est-ce que ça fonctionne toujours correctement? Donc là, c'est les losanges qui sont allumés, trois rouges. Et le bleu là-bas. Et là, c'est les croix. 1, 2, 3. 4. C'est bon, donc on va continuer par ici. Alors, je reçois soit du bleu, soit du magenta. Ça tombe bien, c'est ce qu'il me faut. Alors, si je mets... 1 switch ici. Soit le bleu va à gauche, soit le magenta va à droite. Donc le magenta, je le veux par là. Et le bleu, on voit pas bien là avec la luminosité. Il faut par là. Ah. Celui-là, il est peut-être pas bien. On va mettre un switch entre les deux. Et lui, je le ramène là. Comme ça, quand j'appuie, le switch il va au bon endroit. Donc, on a bien les 6 losanges et les 5 croix. Je vais remontrer ça depuis le début. Donc là, je suis avec les croix. Ça part à droite. Le rayon rouge, il va tout droit. Et bien violet, parce que là, on a mis du bleu qui va là et qui se récupère ici. Voilà. Et à la fin, avec les deux switches, on peut éclairer celle-là. On recommence avec les losanges. Donc j'appuie sur la roulette pour switcher. Donc le rayon maintenant part à gauche. Le rouge, il illumine les trois rouges ici. Et de ce côté-là, le bleu, il passe sur ce losange bleu-là. Et il continue sur les deux autres-là, grâce à ça. On peut sortir. On arrive au 30. Donc là on a 7 cibles, toutes losanges, donc on n'a pas de switch à faire. Là on voit une cible blanche avec deux jaunes à côté. On a notre laser rouge, laser bleu, cible bleue. Et en bas on a un laser vert avec une cible rouge, une cible bleue. Alors, il va falloir ramener du rouge en bas. Pour cela, on va prendre un petit cube et on va le faire passer ici parce qu'il nous faut du rouge ici, là-haut. Donc pour l'instant, on va prendre celui-là. Je pense qu'on va changer par la suite. Donc là, on a notre rouge en bas. Donc là il nous faudra les trois couleurs, là il nous faudra du rouge et du vert. Le bleu il nous en faut en bas aussi, donc pour le descendre il faut passer par là. Donc ici, 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 et après le plus près ça doit être ça. Donc on va envoyer tout ça par là. Est descendu. Ensuite, là il nous faut du bleu, là il nous faut du rouge. Là on a déjà du rouge. Donc on peut envoyer ça par ici. Et
faire une décomposition des couleurs pour récupérer le rouge. Et pour le bleu, on peut le récupérer par là. Voilà. Là-haut, on va avoir du vert. Ça tombe bien, on en aura besoin pour faire le jaune et le blanc. Ça par là, par ici et par là. Ah, c'est pas le bon. Celui-là. Il nous manque des choses pour faire du blanc. Il faut du bleu et du rouge. Et pour faire du jaune, il nous faut du rouge aussi. Donc on va récupérer du rouge ici. Il l'envoyait par là. Donc, comme on a pris du rouge, on peut faire un truc pour diffracter. Comme ça, on regarde bien le bleu par là. Et là, le rouge, il s'associe au vert pour qu'on ait du jaune. Maintenant, il nous manque ici du bleu pour qu'on aille en récupérer. Alors pour récupérer du bleu, on va faire un double ici. Comme ça, ça continue par là. Et là, on a du bleu. Et on peut en envoyer par là. Et là-bas, justement, ça nous intéresse d'avoir du bleu. Parce que c'est pile poil devant notre cible. Voilà le puzzle 30 de résolu. Donc on a mis un diffracteur ici pour avoir le rouge et le bleu. Là-bas, on a mis un double. Par ici, on a juste guidé le bleu en mettant un diffracteur ici parce qu'on avait récupéré le rouge pour obtenir le jaune. Et donc, ici, on avait guidé le bleu et là, on a un double rouge. Voilà pour le 30 qui était assez compliqué.